Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes déplacé jusqu'ici. Actuellement, je n'ai pas grand monde. Donc, je vais aller voir sur la salle de contrôle en direct. Ici. Donc, je clique ici. Spectateurs. Donc les gens se déplacent. C'est bien. Désolé les amis, les ordinateurs étant ce qu'ils sont, il leur arrive de planter. Hein? Il y a eu un crash, pas d'un avion, mais d'un ordinateur. Oui, c'est ce qui est arrivé exactement. Vaut mieux un crash d'ordinateur. Mais je ne pensais pas que ça allait nous mettre en onde. Alors, j'ai dû recréer une nouvelle adresse. Désolé tout le monde. Et puis, nous allons continuer où nous étions rendus. Alors, si vous avez des questions, je vois Michel. Là, voilà. OK, Céline est là. On vous retrouve. Welcome back to, welcome back in the second émission, broadcast for this amazing. Ouais, donc là, ici, je vais retourner dans l'ancienne pour voir les questions qu'on avait. Laissez-moi une seconde, mes amis. J'ai des flashs. Bon, j'ai déjà des gens qui nous posent des questions sur le nouveau chat. Bon, ben allez, hop. Donc, j'ai Hélène Bourdage qui dit, moi, je suis une 11-2. J'imagine que c'est la numérologie. Et ce n'est pas facile comme vibration. Qu'en penses-tu, Céline? Alors, le 11, c'est quand même la maîtrise. Le 2 appelle à la peur. Le 11 doit se réaliser souvent grâce à l'aide de quelqu'un qui est autour de lui. Donc, par exemple, ça peut être juste une aide psychologique. Par exemple, si vous faites un gros projet, vous avez quelqu'un à côté, un mari ou sur qui vous reposez, un ami. Voilà. Donc, le 11, c'est vrai qu'il est voué à de grandes réalisations. Pour moi, le 11, il vient souvent d'un peu plus loin que la moyenne des gens, je dirais sur le plan de l'astral. Donc, le 11, il est capable, si il transmute ses peurs et il transcende ses peurs, il est capable de se reconnecter à de là où il arrive, en fait. Pardon. Et décidément, on reprend et je rebâille. Il y a quelque chose là. Donc le 11, pour moi, c'est voilà. Donc c'est la grande maîtrise des choses, les grandes réalisations, quelqu'un qui doit soit s'appuyer sur quelqu'un de fort autour de lui. Et puis c'est le fait de pouvoir transcender et se reconnecter à des choses complètement nouvelles qui n'existent peut-être pas encore sur ce plan. Je suis désolée, hein, c'est la première fois, c'est pas souvent que ça me fait ça, mais donc voilà, qui n'existe pas encore sur ce plan. Donc se faire confiance en fait, j'entends surtout, et puis voilà, transcender en se retrouvant soi, c'est toujours la même chose. Basculer le 2 dans le. Enfin, transcender ce 2, il faut le faire parce que c'est important que cette personne puisse se reconnecter à des images d'un peu plus loin pour intégrer de nouvelles choses sur cette terre que j'entends. OK. Ensuite, donc j'ai Pascal Pilier, justement, tu lui demandais sa date de naissance tout à l'heure. Ah oui. Et puis elle dit 21-09-1959, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous dit, oui, je suis médium, clairaudient, communication animale, entre autres, je m'en sers dans mon travail de thérapeute. Alors, tu avais bien raison quand tu disais qu'elle était
dans les capacités extrasensorielles. Ah oui, oui, donc ça c'est Pascal, c'était la dame qui disait vis-à-vis du poids et du traumatisme qu'elle a eu. Ouais. Et ben voilà, donc c'est exactement ça, ça veut dire que il va falloir qu'elle développe encore plus son potentiel. Elle s'en sort bien, mais elle peut faire beaucoup, beaucoup plus et impacter beaucoup plus de gens. Donc, c'est vraiment ça que j'avais ressenti. Et effectivement, donc elle dit qu'elle est qu'elle en fait son métier, finalement, de tout ça. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Ouais, ouais. Vous voyez, on est quand les gens me disent « Oh, Céline, moi, j'apprends à me brancher aux annales akashiques ou j'apprends à me brancher à ceci. » En fait, on n'apprend pas, on reçoit, on s'ouvre. Et on vibre haut pour entendre. C'est ça la formule pour être connecté au tout. Là, je vous ai même pas devant les yeux, j'ai pas vos photos, je suis à l'autre bout du monde et je vous capte. Donc ouais. Voilà. Donc on est tous connectés, ça c'est bien vrai. Mais je fais ce qu'on appelle de la spiritualité incarnée. Donc pas du blabla de l'ego spirituel pour rassurer les gens. Je fais ce qu'on appelle de la spiritualité de la vraie, c'est-à-dire que j'aide mon prochain pour en entendant les messages qui le concernent dans le ici et le maintenant. C'est ça que j'apprends aux gens, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de règles dans la spiritualité, et souvent je crie parce que voilà, il y a un peu de tout et n'importe quoi, mais. Ok. J'ai Valérie qui me dit Michel, ma question s'il vous plaît. CC, elle me dit Valérie Fourti, CC, ma question, pourquoi quand on a des dons, il ne reste pas 29031. Attends. OK, pourquoi? OK, c'est ça, elle dit Vert, OK, je viens de comprendre sa question. C'est ma question, pourquoi quand on a des dons, ces dons-là ne restent pas? Et là, elle me donne sa date de naissance qui est le. Alors. J'ai pas forcément besoin de la date de naissance pour cette question. Les dons ne restent pas parce qu'elle a peut-être forcé à en avoir. Et résultat, quand on force à avoir des dons, on n'est peut-être pas connecté sur sa propre lumière et on est peut-être connecté à une fausse lumière, à un faux canal d'information qui n'est pas alignée à elle. Donc voilà, moi je serais curieuse de savoir comment elle a été branchée à la base. Ouais, c'est assez important. J'ai écouté. J'ai assez de lumière parce que j'ai pas la lumière au-dessus de ma tête allumée, mais ça va, on voit bien. Oui, oui, très très bien, vraiment bien. Parfait. C'est ça. Ça me rappelle une émission que j'ai écoutée dernièrement où. Où il disait qu'il y a des personnes qui se connectent des fois, les personnes pensent se connecter à des bonnes énergies, mais en fin de compte, c'est des énergies qui se font passer pour des bonnes. Et là, ils te donnent des pouvoirs et ensuite, ils te les enlèvent. Tu sais. Donc, des fois, il y a des gens qui se connectent à des fausses, comme tu dis, je pense, des fausses lumières, à une fausse lumière. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que moi, j'explique aux gens, il y a deux postures. Il y a la première posture de « cette vie est trop horrible pour moi, je souhaite fuir mon enveloppe corporelle et mon être de la 3D et donc je veux me réfugier dans la cinquième dimension ou autre dimension, en tout cas dans des mondes invisibles pour fuir cette réalité. » Résultat, ces gens-là, eh bien, ils vont se fuir à eux-mêmes et ils vont être très fortement squattés, ils vont être connectés sur un champ qui n'est pas un champ qui leur correspond, les fréquences vont être basses et elles peuvent se faire squatter, voire posséder, d'accord ? Donc, attention ! Et toutes les personnes qui me suivent pour développer leur capacité extrasensorielle ou bien aller vers trouver sa mission d'incarnation, sa mission de vie et comment rester sur le chemin, ces gens-là, en fait, moi, je les prépare à être très forts, se sentir bien dans son corps dans un premier temps. C'est-à-dire que pour moi, je pense que plus on renforce la 3D, donc notre être dans la troisième dimension, et plus on va loin dans les autres dimensions. En tout cas, je parle de mon expérience réelle et voilà, de tout ce que j'ai pu apprendre et expérimenter par mes enseignements que je reçois et les capacités que je reçois aussi.
Et ne jamais forcer les choses. Jamais, jamais forcer les choses. Ouais. Ça, c'est vraiment. J'ai quelqu'un ici qui est Sandra Rian qui me dit « Il y a quelques mois, j'ai été empli de lumière dans une infinie béatitude, mais un ange pleurait à côté de moi. Qu'est-ce que cela signifie? » Est-ce que tu penses que c'est encore, est-ce que ça peut être encore une mauvaise connexion ou? Alors, je ne peux pas juger. Là, sur ce coup-là, je n'ai pas le droit de juger dans le sens où ce que j'entends ne correspond pas à ce que j'ai expérimenté. Donc, je ne peux pas en parler. Il faut savoir que la spiritualité n'est pas à l'extérieur de nous. Elle est ancrée en nous. Donc, on passe de non-spirituel à spirituel, on passe de non-spirituel à spirituel en ayant comme de nouvelles pièces à l'intérieur de nous qui fonctionnent naturellement et qui vont vers un résultat concret. Moi, je ne parle pas ni d'ange, ni d'archange, ni d'elfe. Je ne parle pas je mets pas de définition sur les autres dimensions. Je les vis, je les expérimente, j'en ressors des résultats, mais en aucun cas je mets des mots sur ce que j'entends, perçois, ressens. Et le jour où, parce que je l'ai déjà exprimé, aujourd'hui je peux vous le dire à vous aussi, je canalise des êtres, je canalise des formes atypiques, non humaines, à travers mon corps, d'accord, en toute confiance, et je parle des dialectes de ces choses qui arrivent, mais quand je dis ces choses, de ces êtres, d'accord, mais ils ne se sont pas présentés à moi en disant « Salut, moi je viens de… Salut, je m'appelle ». Donc, je ne souhaite pas nourrir le mental de quelque chose qui va réduire la grandeur de ces espaces multidimensionnels à des termes qui, pour moi, n'ont pas de sens, de signification. OK. Hey, ça défile les questions. Ah ! Mais on est basé logiquement sur les blessures et le… Du coup, on a une petite coupure, mais je ne pourrais pas rester plus long. Non, parce qu'on doit terminer bientôt, là. Mais il y a de la forte demande de questions, peut-être, pour rassurer. En tout cas, je fais la petite pub entre-temps, mais abonnez-vous à ma chaîne YouTube également, c'est une Joyce Doué, et vous pourrez bénéficier de d'autres sujets. Et j'ai également des projets d'émission, justement, où je vois qu'effectivement, il y a une forte demande et qu'aujourd'hui, je réponds aux questions beaucoup des gens qui viennent dans mes séminaires, mais j'ai l'impression qu'il y a un réel besoin de répondre. Donc, j'ai lancé la Céline Joyce Talk, où je faisais justement intervenir des gens qui ont participé à mes séminaires, mais je suis en train de revoir le cadre de cette émission et je pense que je vais prendre à la fin de cette émission des questions du public, soit sur des thèmes précis ou voilà, faut que je mijote tout ça. Oui, exactement. Maintenant, j'ai d'autres questions, mais il y a une question intéressante ici. Et moi, je demandais à Pascal son ressenti sur les événements à venir en France. Toi, Céline, est-ce que tu as un ressenti sur ces événements qui se passent en France? C'est quand même assez terrible. J'ai un ressenti sur le monde. Ouais. J'ai un ressenti sur le monde. Pour moi, en toute honnêteté, lorsque je parle de ma formation de reconnexion à soi, je suis en train de mettre en place une communauté de personnes actives que je prépare pour ce qui va nous arriver à l'avenir. Parce qu'il va falloir compter sur des gens solides et solidaires pour continuer à donner un avenir à nous-mêmes et à nos enfants et aller dans un autre sens que le système veut
nous faire prendre, on va dire. Moi, j'entends les mots de transhumanisme, j'entends les mots de les robots prendront la place des humains, j'entends des milliers de personnes qui vont dormir dans les rues, j'entends qu'il va falloir trouver des situations et des solutions tous ensemble. Et j'ai le sentiment que les personnes éveillées ont un rôle majeur dans l'évolution de nos sociétés. Et c'est pour ça que, bon, je le dis souvent en séminaire, mais je peux le dire là, pour moi, je mets en place des piliers, des personnes qui vont pouvoir, grâce à de brillantes idées, eh bien, sortir des projets de co-création pour qu'on puisse s'entraider dans les années à venir vis-à-vis de ce qui va se passer. La France, actuellement, est en train de subir un débordement. Mais ce qui me gêne dans tout ça, c'est que oui, les gens sont en révolte, certes, mais en fait, ils sont en train de nourrir un égrégore. Michel, je veux bien que tu coupes ton micro, s'il te plaît. Les gens sont en train de nourrir un égrégore négatif. Donc, nous sommes actuellement, chacun d'entre nous, dans une forme de transition pour nous-mêmes. Donc, on est dans une transition individuelle de ce que je vais appeler un ancien monde vers un nouveau monde. C'est-à-dire qu'on va passer de quelque chose de fake, d'inauthentique, de marketing, de manipulation, un monde où beaucoup d'injustice règne, pour aller vers un monde meilleur, vers de la justice, vers de la prise de conscience des êtres, de la nature, des animaux. Donc le monde s'éveille, on s'éveille chacun, nous tous à l'intérieur de nous, et nous tous, nous subissons une transition interne qui va se refléter dans l'extérieur, donc dans le monde. Donc oui, à l'avenir, il va y avoir une grande perte d'âme. Il va y avoir des gens qui vont subir le dépouillement comme beaucoup d'entre nous l'avons déjà subi parce qu'on a été préparé et on est préparé. Et nous sommes, je pense, les premières personnes qui vont pouvoir faire face à ce qui va se passer dans l'avenir. En tout cas, moi, tout ce que je mets à disposition des gens, et je le sais au fond, je suis en train de préparer des personnes leaders à faire face aux années futures et voilà, et à l'entraide, aux nouvelles idées et à la mise en place d'un monde meilleur, d'un nouveau monde, pour contrebalancer ce qui est en train de se passer actuellement. Ok. Le temps passe, donc il nous reste 9 minutes. Je vais prendre une dernière question. OK, de Amy Gris. Okay. Pourquoi il me faut autant de temps pour aller mieux? Depuis le début de ce que je me rappelle, je me sens triste, nul. Aujourd'hui, je me sens un peu mieux, mais toujours bloqué dans ses pensées. Donc, la question, c'est quoi? Pourquoi il me faut autant de temps pour aller mieux? Dans le fond, pourquoi ça prend du temps? En fait, ça, c'est vraiment le temps de guérison. En fait, c'est comment elle va s'orienter, vers qui elle va aller, qui lui tend la main. Est-ce que les gens qui l'écoutent sont les bonnes personnes? Est-ce que elle s'écoute elle-même? Enfin, les notions de temps sont différentes pour chacun. L'éveil est différent pour tous. Les durées sont différentes pour chaque individu. Moi, je sais que lorsque j'ai tout perdu en 2012, j'ai mis 2 années à revenir à la normale, je dirais, dans transcender qui je suis et faire cette bascule entre mon ancien et nouveau monde. Ça a été des vagues très difficiles jusqu'à temps que les choses se stabilisent. Donc, c'est un chemin. Encore une fois, ma formation de reconnexion à soi accompagne les gens à faire cette transition. J'ai énormément de résultats. J'ai une personne au téléphone aujourd'hui qui m'a dit mais à quel point elle était heureuse et qu'elle était passée à l'action et que voilà qu'elle était contente parce qu'elle reprenait du temps pour elle. Elle m'a dit tu te rends pas compte mais demain je vais chez le coiffeur, ça fait 4 ans que j'y suis pas allée, des petites choses comme ça. Et elle a dit mais voilà, au niveau de son estime, au niveau de ses blessures, elle a tellement souffert que des petites choses qui pour nous semblent simples, pour elle c'était
c'est quelque chose de grand. Et voilà, donc chacun a son rythme, chacun a ses actions à mener, chacun. La seule chose que j'ai envie de dire pour de la prévention, c'est ressentez qui vous avez en face de vous, si cette personne, c'est vraiment celle qui va pouvoir vous aider. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe justement en France et dans ce monde, les lois vont être resserrées. La liberté, je pense, va être également resserrée. Et il va falloir être fort, il va falloir tenir. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Par rapport aux lois, aux règles, par rapport à ces petites choses, par rapport à ces petits pas. C'est sûrement par rapport à la question précédente qui avait rapport à ce qui se passe en France. Non, mais je ne sais pas pourquoi c'est reparti sur ça, donc je ne sais pas. OK. Il faut faire preuve de patience. Il faut faire preuve de... En tout cas, oui, le message, c'est qu'il faut faire preuve de patience. Il faut vraiment reconnecter à sa foi en numéro un et être solide dans la matière. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de gens s'échappent dans la spiritualité pour fuir la réalité. Mais la spiritualité, c'est donner et amplifier les résultats de sa réalité. Donc, la spiritualité doit se matérialiser. Voilà. Il faut matérialiser la spiritualité. Voilà. Oui, ça c'est bien dit, ça. C'est vraiment là. Exactement. Donc, à tout le monde qui nous écoute actuellement, on va terminer sur ça. Et puis, on avait. Nous allons faire un atelier avec Céline. Et puis, si vous voulez avoir des informations, l'atelier va porter sur le détachement. Traumatique. Sur le détachement traumatique des blessures du passé. Sur la confiance en soi. Est-ce que tu peux en parler un peu, Céline, de cet atelier? Donc, ça sera un atelier en trois parties. La première partie, on va parler du détachement traumatique. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre ensemble cet envol, regarder qui on était, d'où nos douleurs viennent. Donc, ça sera un petit peu sous forme d'exercice interactif pour déjà aller replonger dans son passé et reconnecter à des blessures du passé. Donc ensemble, et on répondra à des questions. Donc le détachement traumatique, c'est aller agir sur un fait qui nous a blessés. On ne va pas oublier ce fait, on va l'avoir toujours en tête, ce fait, mais par contre, l'émotion collée sur ce fait va disparaître. D'accord ? Donc on va aller enlever, détruire des barrières et des croyances limitantes, voilà. Et on va aller travailler sur ça. Donc, en amont, ça serait bien d'envoyer également aux gens qui participent un petit questionnaire sur quel type de blessure ils ont. Voilà. Comme ça, ça va nous permettre, en tout cas à moi, peut-être plus d'orienter certains exercices pour le détachement traumatique. Et toi, dans cette partie, tu vas nous expliquer également des choses reliées plus scientifiques sur ton apprentissage théorique relié aux émotions. En deuxième partie, on va plutôt faire comme, en tout cas pour ma part, de la méditation guidée et faire en sorte d'aller rechercher votre inné et votre pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'on va renforcer confiance, estime de vous, donc le mécanisme qui va faire ressortir ce que vous n'avez pas eu l'habitude d'avoir, de faire ou de ressentir. Donc voilà, donc ça c'est plutôt dans renforcer votre personnalité sur le plan matériel, donc la 3D. Et puis, donc toi tu parleras également, je pense, des cellules ou des circuits à activer. Exactement, l'épigénétique aussi, la génétique. D'accord. Ah. Et et l'influence de notre environnement, que ce soit les personnes ou le matériel. Et puis en troisième partie, troisième phase de cet atelier, ça sera la réactivation de vos structures énergétiques. Donc là, ça va être plutôt des codes d'activation que je vais lancer. Dans la deuxième partie aussi, il y aura un processus d'intention de mots-clés. Donc ça, je l'ai déjà fait en face à face et à distance. Je l'avais fait sur toi sur un mot-clé,
un mot-clé qui était respect, c'était assez drôle. Est-ce que tu peux en toucher deux mots? Donc, j'avais fait un rituel, en fait, sur toi, ouais, mais sans te dire ce que c'était, en fait. Ouais, et je me souviens que le lendemain, j'avais juste en tête, chaque personne qui me parlait, je me demandais si elle me respectait bien, que ce soit ma vie, que ce soit n'importe qui, puis j'avais toujours le mot respect dans la tête, puis vraiment, tu me l'avais intégré. Oui, mais tu m'avais rappelé pour me dire, mais comment ça se fait que j'ai le mot clé, respect? Et j'ai dit, bah, c'est ce que je t'ai intégré. Donc, aujourd'hui, aussi bizarre qu'on puisse l'entendre, c'est effectivement, j'ai cette capacité à intégrer des mots-clés qui vont avoir des impacts. Donc, on verra sur la force, la confiance en soi, on verra sur le nombre de participants et d'inscrits. Moi, je pense que c'est toujours intéressant de savoir qui participe à nos ateliers. Donc, on enverra peut-être un second questionnaire pour les participants, parmi la liste de mots-clés ci-dessous, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir apparaître chez vous? Donc, ça va au-delà de l'intention du cœur ou de l'intention. C'est vraiment un encodage. Donc, ça, c'est vraiment la thérapie quantique qu'on fera dans le deuxième atelier. Et le troisième atelier, j'y viens. Donc, c'est la reconnexion à votre ADN blueprint. Donc, on vous expliquera ce que c'est. La signature énergétique et la réactivation d'une partie de vous qui est extra dans tous les sens du terme, qui sera réactualisée à travers les dialectes et les sons que je vais émettre pour vous reconnecter à vos structures énergétiques et ce qui va vous aider à avancer et à être connecté à la multidimensionnalité. Voilà. Ok. Tout un programme. Mais pour l'instant, on n'avait pas les dates et tout ça, donc c'est quand même très, très proche. Donc, ceux qui sont intéressés par l'atelier, je vous mets dans le chat une page dans laquelle vous pouvez mettre votre adresse email et votre prénom pour nous dire que vous êtes intéressé et nous allons vous envoyer toutes les informations. Alors, je vous mets l'adresse juste ici dans le chat. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire et puis de vous assurer de bien recevoir nos mails, d'ajouter l'adresse, d'ajouter notre adresse dans votre liste blanche, parce qu'on va vous envoyer à partir de lundi le programme complet de l'atelier, parce que c'est un atelier quand même assez vaste, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. C'est surtout basé sur guérison des blessures, renforcement de notre être sur les cinq blessures de l'âme et en troisième partie, réactivation de notre partie extra. C'est ça, c'est ça. Alors, on va vous détailler. On va s'arrêter là. Plus, bien sûr, tout le contenu que toi, tu vas apporter sur le côté scientifique et théorique. Moi, je serai plus là pour les exercices tournés vers l'action et retour d'expérience. C'est ça, parce que moi, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait mes sciences pures, donc j'ai une grande partie scientifique que j'ai fait dans ma vie avant d'être dans la spiritualité. J'étais énormément dans la science. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous apprendre au niveau scientifique et surtout au niveau de l'ADN, au niveau de la cellule, au niveau de l'ARN. Les chromosomes, etc. Donc, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup d'éléments à emmener au niveau scientifique dans cet atelier. Et on va surtout s'amuser et on va faire plein, plein, plein de choses qui vont justement agir au niveau de la cellule. Ça, c'est important. Céline, t'en parles souvent, agir au niveau de la cellule. Donc, c'est très important. Moi, c'est vrai que je suis dans des exercices concrets, c'est-à-dire que j'ai pas ce background que toi tu as de science ou ces connaissances scientifiques, mais en fait, je sais que ce que je fais apporte le résultat voulu. Donc, en fait, voilà. C'est toujours intéressant d'avoir une superbe explication scientifique, ça c'est sûr. Voilà. Donc, je suis en train de mettre aussi l'adresse dans la description YouTube.
Et donc, ce qui sera intéressant vraiment, c'est que les gens puissent nous donner, voilà, on va faire un petit questionnaire. C'était pas prévu à la base, mais là, je viens de l'entendre. En fait, c'est très juste de. Alors, sans écrire des pavés, parce que si vous êtes nombreux, on n'aura pas le temps de tout regarder. Mais voilà, ça sera plus une question peut-être ouverte, orientée avec des cases à cocher ou ce genre de choses. En tout cas, pour le deuxième atelier, oui. Le deuxième atelier, ça sera qu'est-ce que vous voulez renforcer chez vous, et on fera des mots-clés et moi je ferai un appel. Donc aujourd'hui, je suis une femme de terrain, une femme dans l'action, une femme de résultats, mais qui s'appuie sur les mondes invisibles connectés à ma propre guidance pour descendre ces mondes, vous les montrer parfois en direct, ça sera le sujet de l'atelier 3, et donc vous projetez cette énergie des hautes fréquences que j'arrive à descendre sur Terre. Voilà. Donc mon énergie est transformante, vous le verrez, en tout cas vous le constaterez. et je suis très contente que les gens puissent échanger, discuter avec nous et poser toutes ces questions et de les voir aussi intéressés. En tout cas, merci de votre confiance. Exactement. Et sachez que vous avez toujours accès aussi à la formation de Céline. Je vais mettre aussi les informations, les liens pour vous inscrire à la formation de Céline sous l'adresse à laquelle vous pouvez aller pour vous mettre votre adresse email et votre prénom pour avoir les informations sur l'atelier de la semaine prochaine. Alors, sur ce, à tous, je vous dis bonsoir et peut-être bonne nuit aussi. Alors, un beau bonsoir à tous. Et Céline, je te laisse le dernier mot. Eh bien, je vous embrasse tous. Gardez beaucoup d'amour malgré tout ce qui peut se passer actuellement. Essayez le moins possible d'échanger dans des conversations négatives ou de nourrir l'ancien paradigme, c'est-à-dire tout ce qui est en train de se détruire tout seul. Laissez-le se détruire et pensez déjà à la personne que vous êtes, la place que vous allez prendre et ce qu'on va tous construire ensemble très prochainement à partir de maintenant. Voilà. Je vous embrasse tous très fort. Je vous embrasse aussi tous très fort. À la prochaine. Bye. Ciao. Bye. Bye. Bye.